Oui? Bonjour, Madame Legault, c'est du bureau d'assurance chômage? Oui? Vous avez reçu des prestations, vous, hein? Oui. Bon, pour quel montant, là, vous avez reçu ça? Ah, oh, ben, c'est ça, fallait que je le rentre, hein? Oui, mais à peu près, c'est à peu près 2 000 $ vous avez reçu, hein? Oui, attendez un peu, là. Non, c'est juste depuis le mois de juin, là, moi. Oui. Vous êtes suppléante à l'élémentaire, oui? Hein? C'est ça. Vous êtes supposé en savoir d'autres, hein? Ben, c'est que là, j'ai reçu, moi, là, un papier que c'était... Parlez pas trop vite, attendez, mais vous êtes suppléante à l'élémentaire, c'est ça? C'est ça. C'est à votre dossier, c'est là. Oui. Ben, écoutez bien, là, on a des mauvaises nouvelles pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous n'aviez pas le droit de recevoir ça. Hein? Pourquoi? Parce que vous avez un certain montant d'argent qui est gagné par année, puis vous n'avez pas le droit de recevoir de prestance. Ben, faites-en pas avec ça, hein? Allô? Oui? Faut pas que vous en fassiez avec ça, hein? Ben, écoutez, là, si j'ai reçu de l'argent de trop, faut que je le remette, je suppose. Ouais, ben non, mais je veux dire, là, c'est... j'en parlais justement. Attends une minute, là. Monsieur Beaubien. Ouais, je l'ai justement, c'est la jeune fille au bout de... Monsieur Beaubien, c'est là. Ouais. Il y a une petite suggestion, je veux dire, ça peut vous aider, hein, parce qu'on sait que des fois, les gens se font prendre le coup. Vous pourriez travailler ici, au bureau, hein? Mais oui, mais là, j'ai recommencé à faire de la suppléance. Mais oui, mais quand vous faites pas de suppléance, là. Ouais. Bon, les journées que vous avez off, vous pourriez travailler ici au bureau. Ah oui? Monsieur Beaubien, vous dites ça, puis je veux dire, l'argent que vous faisiez ici, là, ce sera déduit du montant. Je comprends pas pourquoi vous me dites que j'ai reçu des prestations de trop. C'était pas difficile parce que vous n'aviez pas le droit à vos prestations. Mais pourquoi j'avais pas le droit? Durant l'été, vous n'aviez pas le droit. Pardon? Vous auriez pu faire d'autres choses. Donc, essayez pas de vous en sortir de là, madame. On a des cas de même à journée longue. Je ne veux pas m'en sortir. Vous auriez pu travailler. Quoi ça fait que vous touchez de l'assurance chômage, non? Hein? Mon Dieu, ça toutes les semaines de même. On en reçoit des cas comme ça. Vous devez 2000 pièces à l'impôt. À l'impôt? Ah. Mais pas l'impôt, c'est-à-dire c'est un salaire qui a été reçu, qui n'a pas été conçu. Comprenez-vous? Mais 2000 piastres, j'ai pas... Excusez. J'ai pas reçu 2000. Écoutez bien, c'est pas nécessaire de crier après moi, là. Moi, je suis ici de faire un job. Vous avez reçu 2 000 $ de trop, vous expliquez ça en mieux. Mais quand est-ce que j'ai reçu ces 2000 piastres de trop, là? Monsieur Beaubien, elle est bien têtu, dont elle. Enverrai un papier comme quoi je vous dois 2 000 $. Non, mais Monsieur Beaubien, écoutez bien, quand est-ce qu'elle va recommencer? C'est des fins de semaine, elle-là. Attendez une minute, là. Pardon, M. Beaubien, vous parlez plus fort, je n'entends pas ici, là. Ça vous donne un intercom. J'entends crier à l'autre bout, là, les nerfs sortis du cou, maudit paquet de nerfs. On va bien être nerveux dans le bureau, ici. C'est que derrière ça vite là-bas, à l'autre bout, le vieux singe. Je vois tout de même. Vous traitez votre patron de vieux singe? Derrière la vitre, il y a un intercom, puis il crie comme un perdu, un nerf sorti du cou. Il y a bien à quoi tomber des nerfs, cette fois. C'est un paquet de nerfs dans le bureau. Eh hey, non! Tiens. Quand l'autre qui fume au côté, c'est là. Hey, ça fait rien, ça. Puis vous travaillez dans une situation comme ça, vous. Dans des minutes, là. On va finir de rédiger ma lettre, là. Il veut l'avoir, il veut l'avoir. Vous riez pas une minute, là. Ouais, je gagne pas, là. Bon, la poignée est partie après le typewriter. Troupé en poignée. Qui c'est qui a parti avec la poignée, là? On a rien qu'une poignée. C'est votre poignée. on a rien qu'une poignée, c'est pour 12 typewriters. Ben, fouille du bon Dieu. C'est moi qui ai votre poignée. Je ne l'ai pas empoigné, c'est j'ai essayé de vous pogner, vous. Qu'est-ce que c'est qui parle? Qui parle? C'est Tex Lecor pour les gens. Oh, moi, c'est mon frère qui a fait ça. Ouais. Aujourd'hui, j'aurais pas le pogner une journée. OK. OK, au nom de Mme Legault, là, je vous dis. Attendez une minute, le patron est en cours. Il est en cours de pogner. Non, ben, il y a du poil dans les oreilles, là. Que je... OK.